Coast. I've located Baby Eagle. About to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. Allez, salut à vous et bienvenue pour ce 10e épisode de Resident Evil 4 Remake. Alors j'annonce tout de suite, ce n'est pas mon gameplay. Il s'agit d'un gameplay que j'ai récupéré sur internet. C'est une version FR. Il suffit tout simplement de comprendre que j'ai mis ce clic et du coup mon live est porté disparu dans les méandres de l'internet. Malheureusement. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à mes doigts. Et oui, donc du coup, pour une question scénaristique, de continuité scénaristique, j'ai trouvé cette solution pour pouvoir avoir un let's play dans la continuité sur YouTube. Alors qu'est-ce qu'on va faire lors de ce live? On va un peu commenter cette partie. Je vais donner un petit peu mon avis général sur le jeu. Et puis on s'arrêtera à la fin d'où le live s'est arrêté. Au pile à ce moment-là. Parfait. Eh bien écoutez, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement dans votre canapé. Préparez les chips et le coca. On y va. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Resident Evil 4 Remake? C'est un très bon cru. C'est un très bon cru, très fun, très jouable, très beau. Même si c'est un jeu cross-platform, on est à 60 FPS, ça tourne bien. Il y a des effets de lumière intéressants. J'y ai pas joué en 4K, j'y ai joué en 1080p en raison du live. Et en 1080p, je trouvais que c'était déjà joli, avec des beaux effets de lumière. De toute façon, un bon jeu, c'est des bons effets de lumière. Pas chercher à comprendre. Un beau jeu, c'est des beaux effets de lumière. Et là, on arrive dans la zone où on va rencontrer des nouvelles créatures. Des créatures un petit peu stressantes, d'ailleurs. Alors, bien entendu, comme je disais, ce jeu est très bon. Je comprends pourquoi il était dans les jeux nommés au GOTY 2023. J'arrive à le comprendre. Je ne lui aurais jamais donné parce que c'est un remake et que le jeu d'origine sur PS2 était déjà excellent. Ils ont pris un jeu excellent et ils l'ont mis au goût du jour au niveau gameplay et au niveau visuel. Donc, ils ne pouvaient faire que mieux, de toute façon. Ils ont rajouté quelques séquences aussi qui sont très intéressantes, notamment celle qui me plaît le plus, c'est la séquence dans les rails, au niveau des wagonnets dans la mine. Très, très belle scène, très, très belles actes. Il y a beaucoup d'action. J'ai revu un let's play de la version de 2004, J'avoue que c'était tout plan-plan, hein, la séquence du wagonnet. Hein. La séquence du wagonnet était tout plan-plan. Bon, j'ai l'impression que dans ce gameplay, il joue avec un flingue automatique de type Killer 7 ou je sais pas quoi, là. Et il s'embête pas, hein, il tire sur tout, il joue pas trop au couteau. Mais il se fait pas chier. Tranquillement, mais sûrement. C'est qu'il a beaucoup de munitions. On va voir, hein, là, il lui reste 4 munitions, qu'est-ce qu'il va faire avec? Non, il en reste 14. Il arrive toujours à en trouver, j'ai l'impression. Peut-être qu'il va en fabriquer.
Donc là, il appuie sur le bouton pour ouvrir la porte du dessous, et c'est la porte des enfers, bien sûr, en dessous. La porte des enfers. Dire que quand j'étais à ce niveau-là de ce... De... Quand je suis arrivé à cette séquence, je pensais qu'il me restait une heure de jeu, quoi. À tout casser, hein. Comme quoi, j'avais réellement oublié... ce jeu, hein. Et il me restait plus que des petits Ashley. Passages en tête. Donc là, nous trouvons Ashley. Ashley, réveille-toi ! Donc sauver Ashley, hein, je crois qu'on a eu ce titre, ou en tout cas cet objectif, près de 500 fois dans le jeu. On la retrouve, elle est plus là. Un petit défaut nanardesque que je donnerais quand même sur ce titre, c'est le fait que t'arrives dans une zone, et tu vois Ashley au bout de la zone, escortée, en train de la quitter. Donc on joue au chat et à la souris. 4 ou 5 fois durant le jeu, j'ai envie de dire une fois ça passe, mais quand tu le fais 5-6 fois, au bout d'un moment c'est un peu relou, faut savoir se renouveler. Donc là on arrive dans la zone avec les cartes d'accès, et c'est une zone qui est plutôt intéressante, hein. J'ai beaucoup apprécié cette zone, parce que il faut jouer avec l'électricité. Là je me souviens que j'avais... dans le live, j'avais galéré à trouver l'échelle, là, qu'on va voir un petit peu peut-être sur la droite. Lui aussi, je vois qu'il cherche un peu, hein. Il sait pas où aller. Il comprend que là, ça serait un passage avec Ashley. Mais voilà, je suis pas le seul, hein, ça me rassure. Voilà, c'est cette échelle que j'avais ratée. Donc lui, il a trouvé quand même assez rapidement. J'ai dû faire 2 ou 3 fois le tour de la pièce, quand même, avant de trouver cette échelle. Il récupère des munitions. Il a combien de munitions? On va le voir peut-être un peu plus tard. Et là, ça va commencer à être un peu plus stressant. Un peu plus stressant dans le sens où on arrive au niveau du laboratoire pour récupérer donc cette carte d'accès qui nous permettra d'ouvrir la cellule où est Ashley. Donc ça va, il a combien? Il a plus de 30 munitions déposées. Il joue coup de pied aussi ou pas? Non, il joue pas coup de pied. Hein. Il a joué coup de pied, très bien. Alors, au niveau des tests sur ce jeu... Au niveau des tests, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, le titre, hein, le titre, parce que je prends le test sur jeuxvideo.com, le titre, tout de même, c'est Resident Evil 4, toujours aussi culte, 18 ans plus tard. Oui, il y a quelque chose, quand même, hein, sur ce jeu, hein, il y a quelque chose. Hein. 3 mois pour faire frémir une génération entière. Trois mots pour faire... frémir une génération entière. Voilà, qui n'est pas commun dans l'industrie du jeu vidéo. Pour autant, ce 4e opus numéroté ne fut pas qu'un simple bon jeu, mais bien un tournant dans le jeu d'action et dans le paysage culturel. Forcément, le faire revenir sous l'égide du remake, Resident Evil 4 Remake, a de quoi susciter la curiosité, voire les craintes des aficionados. Rassurez-vous, Capcom ne déçoit pas. Oui, effectivement, c'est vrai que à l'époque, en 2004, au niveau des jeux d'action, des jeux de tir, t'avais des trucs... Ah, là, il m'avait fait flipper, ce Stanford. Ça, lui, il s'est fait attraper. Moi, je m'étais pas fait attraper. Tiens, c'est une variante. Il était passé à côté. J'avais réussi à l'esquiver, en fait. Hein, professional gaming, les gars. Là, il va arriver chez un marchand, je crois. Oui, donc, c'est vrai qu'il a un peu révolutionné les jeux d'action, un petit peu. Parce que c'est vrai que c'était quand même assez costaud, hein, ce Resident Evil 4 à l'époque. Hein. Puis, c'est surtout le mode mercenaries, hein, qui était très intéressant aussi. Hein. Très, très intéressant. On va aller voir les plus et les moins, les points positifs et les points négatifs de ce test. Ils ont fait un pavé, hein. Oh là là, ils ont fait un pavé. Ah, il y a 2 fois plus de points positifs que de points négatifs. Un gameplay encore mieux peaufiné, c'est ce que j'ai dit. Je pourrais être vidéotesteur chez jeuxvideo.com. Des sensations vraiment nerveuses et haletantes. Une direction artistique qui fait mouche, oui, les graphismes, les effets de lumière, tout va bien. Puis c'est vrai que l'ambiance visuelle au niveau du village est très 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 intéressante. Hein. C'est souvent très beau,
Et ça fourmille surtout de petits détails, oui. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que c'est rempli de détails, d'objets qui traînent à droite à gauche. On n'est pas sur des locaux vides, hein. Vous voyez qu'il y a plein de détritus là dans cette zone, des caisses, des établis. Hein, c'est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment bien fait. Une rejouabilité toujours aussi solide, oui, avec un New Game Plus, c'est vrai que c'est intéressant. Un rythme et un scénario mieux maîtrisés. Et une durée de vie satisfaisante, oui. Ça se finit en une quinzaine d'heures, 15-17 heures. Les points faibles. Attention à la surcharge d'ennemis dans certaines zones. C'est ce que je disais, c'était sur la surenchère. Mais ça, vous le verrez dans l'épisode prochain, je pense. Hein. Quelques légers effets graphiques à revoir. Et la campagne d'Ada Wong absente, peut-être, en tant qu'extension future. C'est le cas. C'est le cas. Oui, 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 tout à fait. C'est le cas. Je ne pense pas que je ferai ce DLC. Il était d'origine sur PS2. Putain. Ça a été rajouté sur PS2, le DLC d'Ada Wong. Je crois que sur GameCube, il n'existait pas. Il n'était pas présent, je crois, sur GameCube. Hein. Je vous dis peut-être une bêtise. Pas de doute. Alors, 18, il a été noté quand même 18 sur 20. Ah oui, il est là, le mob. Le mob. Les gars, le nounours, El Regenerado, celui-là, il m'a cassé la tête. Il m'a cassé la tête. Je me souviens de Top Top qui m'avait dit « Attention, gaspille pas tes balles. Gaspille pas tes balles. » Parce que le monsieur, il faut lui tirer dessus à des endroits précis. Et si tu le sais pas, bah, t'es dans la merde. Effectivement, hein. Regardez, il a les bras qui repoussent. Et oui, il va falloir trouver une solution, monsieur. Alors au début, je me souviens que j'ai couru dans les locaux à droite à gauche en évitant de lui tirer dessus. Et il lâche pas l'affaire, hein. Il lâche pas l'affaire et continue de lui tirer dessus. Couteau, ça marche le couteau ou pas? Non, ça ne marche pas le couteau. Hein. Ou alors il faut gaspiller vraiment énormément de balles. Peut-être énormément de balles pour pouvoir le flinguer. Je sais pas. Alors que si tu tires sur les points faibles, effectivement, ce sera différent. Donc là, je me souviens, dans cette zone, j'ai couru vite pour allumer l'électricité. J'ai allumé l'électricité. Non, mais je crois que c'est quelqu'un qui a jamais fait le jeu original, en fait. Après, moi, je le savais plus aussi, hein, j'avais fait le jeu original. Je me souvenais plus de ce mob, hein. Mais franchement, ça m'a vraiment donné envie de regarder un let's play du jeu de 2004. Donc là, est-ce qu'il peut ouvrir? Il n'y a pas l'électricité, il comprend pas. Non, c'est une découverte. C'est une découverte. C'est pas ce qu'il doit faire. Il est perdu. Cette phase-là, il l'a fait en 46 minutes. Hors live. Alors que nous, on l'a faite en pratiquement une heure et demie. Ah ouais, il utilise la sulfateuse parce que... Ah, il a réussi à toucher le point faible. Ah, on les voit, les points faibles, quand on leur tire dessus comme ça. D'accord, il le voit, on les voit. Ouais, c'est... Et là, il va se mettre en mode... Non, il est mort ou pas, là? Je crois qu'il est mort. C'est plus facile de commenter. Mais j'ai l'impression qu'il y a des coupures, hein. J'ai l'impression qu'il y a des coupures, hein. Il me semble, hein. Il y a des cuts, hein. Il semble qu'il y a des cuts. Hein. Je crois qu'il y a des cuts, hein. Si je me trompe pas. Hein. J'ai l'impression. En fait, il a dû mettre 2 heures aussi, hein, parce que je disais que c'est un let's play qui va durer à peu près 50 minutes. Et moi, j'avais mis 1h30, voire 2 heures pour le faire. Et je vois qu'il y a des cuts. Donc en fait, c'est... Et je me suis rendu compte aussi que j'ai bien fait d'acheter la lunette. Alors la lunette infrarouge, ou plutôt thermique, est-ce que je l'ai achetée avant ce passage ou après? Je ne sais plus. Mais que dit
Le test de jeuxvideo.com, pas de doute, Resident Evil 4 Remake est tout simplement un excellent jeu d'action horrifique et Capcom prouve une énième fois sa capacité à produire une aventure maîtrisée et à la finition exemplaire. Les bases du jeu original étaient on ne peut plus solides, mais la firme a su moderniser l'ensemble pour rendre l'aventure plus intense, plus profonde dans ses systèmes de jeu et encore plus palpitante. Est-ce qu'un remake était nécessaire ? Peut-être pas. Mais impossible de cracher sur cette monture impressionnante qui sait aussi bien rendre honneur aux matériaux d'origine que lui apporter cure de jouvence finalement très pertinente. Finalement, si l'on a bien une envie folle de terminer Resident Evil 4, le plus vite possible, c'est pour le recommencer aussitôt. Je dois avouer que j'ai une envie de le recommencer. Hein. J'ai une envie de le recommencer, mais hein, toujours au même niveau. Hein. Toujours au même niveau. Hein. En mode Pampers. L'avis des lecteurs. L'avis des lecteurs, il est un peu plus... en dessous de la note de jeuxvideo.com, qui a mis 18 sur 20. Les lecteurs ont mis ont une moyenne de 16,4. Voilà, on va essayer de regarder quelques commentaires des lecteurs. On va éviter, on va prendre une note. Je vois du 20, je vois du 19. Je vois du 20, du 18, du 18. On va essayer d'avoir un avis un petit peu plus contrasté. 18, 19, 17, 18, 20, 17, 16. On va prendre le 16. Qui est une note, la note moyenne des lecteurs. Donc là, il a mis l'électricité et il va aller dans la dernière salle, il me semble. Dernière salle. Oui, là, il va retrouver des mobs. Il va retrouver des mobs normaux. Il fouille un peu à droite, à gauche. Je crois qu'il y avait des mobs là. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Alors il joue avec quoi là? Il joue avec le... C'est quoi? Non, c'est le fusil sniper, mais il n'a pas de... Il n'a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'a pas de lunettes dessus. Hein. C'est vrai que j'avais mis la lunette d'entrée. Il n'a pas vu le mob. Il n'a pas vu le mob. Il n'a plus trop de munitions aussi, hein. Il commence à être en galère de munitions, le monsieur. Tire pas dans la tête, il y a un casque, bordel. Ok, alors. Que dit le monsieur? Je crois qu'il a raté une caisse à gauche. Voilà, ce passage-là. Et sans clé à molette, comment... Et sans lunettes infrarouges, comment il va faire? Oh putain! Eh non, il te faut la niveau 3. Ah, alors là, j'ai hâte de voir ça. Comment il va faire ici? Sans lunettes infrarouges? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Il n'a pas la lunette infrarouge. Ou alors il l'a installé sur le M4, mais je ne crois pas. Parce qu'il a décidé... Il a le M4, lui. Hein. Ok. Et il faut mettre le courant, non, aussi? Ah non. Il faut la clé à molette pour réparer avant, c'est ça. Ah non, la lunette de biocapteur est là. D'accord, elle est gratuite. Ok. Je comprends mieux. Il va l'installer du coup ou pas? Est-ce qu'il va l'installer? Hey, Chéra! Mais moi j'avais pas fouillé ici! Je l'avais pas fouillé cette zone, je crois que j'étais tellement en stress que... j'étais tellement... Mais il y a des cuts, hein. Il y a donc des cuts. Oh, il a fait tomber les deux, lui. Moi, j'en avais fait tomber qu'un. Parce qu'il savait pas. Et oui, il a pas fait gaffe. Il a pas installé la lunette infrarouge. Ah, c'est un peu hasardeux, hein. C'est un peu hasardeux ce let's play là. Au final, je me rends compte que je m'étais plutôt bien débrouillé, hein, pour trouver la clé à molette.
Ah, il a eu au couteau, là. On peut l'avoir au couteau, très bien. Je ne savais pas. Le point faible. Je me souviens plus s'il y en avait deux ou trois qui étaient sortis. Il a pas pris le super fusil à pompe non plus. Il est toujours avec le fusil à pompe de base. Ah, ah ouais, au couteau, ça marche, hein. Ah ouais, au couteau, ça marche. Au couteau, ça marche aussi, hein, les points faibles, effectivement. Ah ouais, là, lui, il a les 4 qui sont sortis, hein. Je me souviens pas qu'il y avait les 4 qui étaient sortis. Il a presque plus de munitions. Est-ce que ça va faire un cut? Est-ce que ça va faire un cut? Ah ouais, il a pas capté le truc, en fait. On va rigoler, là. Quand il va arriver dans la zone avec Ashley, là, dans les égouts. S'il a pas capté ça. Au couteau, il le fait. Il le fait au couteau. Il tue les régénérados au couteau. Ah ouais. Au hasard, au hasard. Plus de munitions, plus rien. Et comme par hasard, c'est le dernier. Il a réussi à l'avoir quand même. Et oui, il a la clé à molette. Il a la clé à molette, mais il n'avait pas compris le principe. Ok. Alors. Agréablement surpris. Un internaute lui met 16 sur 20 et lui dit, et il dit, agréablement surpris. En effet, je ne m'attendais pas à un aussi bon remake. L'ambiance est au rendez-vous, la DA est bonne. Franchement, je recommande le jeu s'il y en a qui n'y ont pas joué à l'époque. Et pour ceux qui crachent, ben, rien ne vous empêche de retélécharger l'ancien qui est disponible sur Steam en HD, au lieu de trouver des fausses excuses pour foutre un mauvais avis. PS, je crois que je vais me retenir pour les mecs qui comparent ça à un The Last of Us 2. Il y a quelqu'un qui compare ce jeu à The Last of Us 2 ? Sérieux ? Attendez. Je vais essayer de trouver un bashing pour voir. Je vais commencer par les notes les plus mauvaises pour voir ce que ça dit. Intéressant, là. Donner un avis. Comment on peut les classer? Voilà. Par date, par note. On va les classer par note. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si on les classe par note? Donc là, il va rejoindre Ashley, hein. Normalement, il croise plus personne. Donc, c'est classé par note. Et on va aller tout en bas. Du coup, là, il n'y a que les 20. Et on va aller sur la dernière. On va prendre une 3 sur 20 de 16 mégabits. 3 sur 20, attention, le jeu n'est vraiment pas bon, graphisme nul, proche de RE4 original, mais est-ce possible? Ah, attendez, on a retrouvé Ashley. Merde. Par le pouvoir du stylo bic, nous disait Ventus. Tu vas t'en sortir. Eh ouais, on la sauve pour que ensuite le virus se développe chez nous. Je sais pas si on la revoit Ashley dans d'autres Resident Evil après derrière. Je crois que c'est Sherry Birkin qu'on revoit dans Resident Evil 6, si je me souviens bien.
Léon ? Pardon, j'ai tardé. C'est ici qu'il y avait l'inspection. Non. L'inspection de Merci. Ashley. De la part de Monsieur Ventus. Tu peux te lever ? Où est Louis ? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Et ouais, il lui apprend la mort de Louis. Allez, le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Quelque chose me dit que c'est lui. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, les bons tuyaux. Ok, du coup. Alors, 3 sur 20 de la part d'un internaute. Attention, le jeu n'est vraiment pas bon. Graphisme nul, proche de R4 original. Mais est-ce possible? Le gameplay est nul, mais alors, à un point. J'ai fini le jeu et je l'ai déjà revendu. Mais qu'est-ce que c'est long et débile. Non, mais sérieux. Je suis un fan de RE2 et RE3, mais celui-là, c'est une honte horrible. Je ne pense pas que les commentaires avec les notes de 20 sur 20 ont été payés, car ça ne vaut même pas un 5. C'est du bashing, clairement. Un 2 sur 20 de la part de notre internaute. Comment dire ? Rien que le premier stage est un enfer. Au bout de 2h30, décès impossible de passer le premier village. Le niveau de difficulté est beaucoup trop élevé. Ce jeu est juste désastreux. C'est laid, c'est poussif. Trop hard. Un 2 sur 20, pas plus. Bon, sur la difficulté, je suis quand même assez d'accord. 0 sur 20, encore pire. On a un 0 sur 20. De la part d'un internaute qui dit absolument pitoyable. Moi qui ai fait The Last of Us partout. Ah ouais, d'accord. Là, c'est là où ça, il disait que ça. C'est là où il disait que ça se compare. Ah, là, on arrive sur la boule. On arrive sur la phase de la boule. Ah non, il va avoir d'abord la phase des égouts, puis ensuite la boule. Moi qui ai fait The Last of Us partout récemment, qui avait un gameplay et une écriture parfaite, je suis mécontent. Cherchons un autre chemin. Content de trouver un jeu de zombies daté avec un gameplay pour joueurs Switch. C'est affreux vidéoludique, parlant le gameplay était meilleur en 2005, là du rétro gaming. DA daté, texture baveuse et des graphismes Switch. Sans doute l'une des plus moches, l'un des plus moches jeux de ce jour. Le retour du jeu, tout simplement, le méta est là pour le prouver. On comprend rien, merci Sony. Pour faire des jeux next-gen. Ah ouais, c'est un pro The Last of Us 2. 0 sur 20. De la part d'un autre internaute, déjà l'histoire était nullissime. Mais ressortir ce jeu des années plus tard, que dire, le gameplay est devenu lourd. Ça reste fun de tirer sur du zombie, mais qu'il soit armé, quel ridicule. Lorsqu'on voit Tlou... Et ressortir ce genre de jeu après, quelle déception. Autant Resident Evil Rebirth et Resident Evil 2 Remake sont géniaux, autant celui-là est inutile. Ils ont été violents quand même. Et le pire, c'est qu'il y en a beaucoup de zéro. Hein. Un autre jeu un autre beau gameplay intéressant. Ah non, pardon. C'est un autre gars qui dit qu'il met 0 sur 20. Un jeu très beau. Et gameplay intéressant. Dommage que la difficulté soit totalement abusée. Même en normal. Impossible de prendre du plaisir. En plus, impossible de sauvegarder à tout moment. Inacceptable. Pour un jeu de 2023. D'où la note de 0 sur 20. Totalement justifiée. Oui, là, je me souviens de ce passage. On avait fait une boulette. On va avoir besoin de l'aide d'Ashley. Je me souviens. Donc là, il capte que la porte est fermée. Il va devoir d'abord prendre les caisses à gauche. J'imagine pas qu'il va les laisser passer. Et ensuite, il va monter à l'étage, si tout va bien.
J'ai l'impression d'être un devin. J'ai l'impression d'être un devin. Regardez, il va monter à l'étage à gauche. Il va demander à Ashley de bloquer l'interrupteur. Ah, il fait comme moi. Il va retomber sans voir l'interrupteur. Ah, je suis pas tout seul à l'avoir fait ça. Je suis pas tout seul, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Là, il voit que c'est bloqué. Il va remonter à l'étage, du coup. Là, il regarde la map. Il me dit, mais où faut aller, bordel de merde? Où faut aller? Mais où faut aller? J'ai dû rater quelque chose. Il repart. Non, c'est bien là. La porte. Ici. Eh bien. Ah, il va ouvrir ça. Il n'avait pas ouvert tout à l'heure. Il y avait de la ferraille. Ah, il a vu. Ça y est. Il l'a vu, il va... est-ce qu'il va appuyer lui-même? Oui, voilà, il lui demande... Voilà, de maintenir. Est-ce qu'il va faire la même boulette que moi? Il voit pas que ça a ouvert la porte en bas, en fait. Si, voilà, il a vu. Il a vu que ça a ouvert la porte en bas. Et est-ce qu'il va partir sans? Parce que je crois qu'il fallait aller à gauche direct. Hein. Là, faut pas s'en aller, là. Là, il part à 12 000 km. Non, mon gars. Non. Pourquoi il a dit connard, là? J'ai pas compris. Dans tes rêves. Ah, c'était pas... Salazar qui nous parlait. Voilà, là, on ouvre la porte. Les mobs arrivent. Est-ce qu'il va faire la même boulette que moi? Oh, putain, regardez. Eh oui. Oh là là, il était en train de se barrer avec. Au bon moment, il a... Oh là là, il a bien joué le coup. Et du coup, il va pouvoir se casser avec elle directement. Ah ouais. Il a fait plus vite que moi, mais avec un coup de chance. En fait, le temps que je suis monté, et au final, elle n'était plus là. Mais en fait, il avait déjà embarqué. Ah ouais. Le coup de chance. Là, c'est l'arrivée des insectes, je crois. Je crois qu'il va avoir quelques petits insectes qui sont dans leur corps. Faudrait mieux que tu te soignes, mon gars. Et Ashley qui est en train de se faire cambrioler, là. Ça va, heureusement qu'il partait dans la bonne direction. Très bien. Allez, je vais lire le dernier avis. À zéro. Les jeux avec un ennemi insupportable... C'est zéro direct pour ma part. En l'occurrence, ici, c'est ce putain de régénérateur. De plus, ces débiles de développeurs l'ont mis partout. Il aurait fallu en mettre un seul. Ah, il y en a qui n'aiment pas les régénérateurs, effectivement. Après, le régénérateur, quand tu connais son point faible, effectivement, ça passe, en fait. Hein, voilà, ils sont là, les insectes, je vous l'avais dit. Qu'est-ce qu'il fait? Les attaques au couteau ou pas? Non, il préfère se faire sauter dessus. Ah oui, il s'est fait planter dans le dos, là, le léon, là. Tire-lui dessus! T'inquiète pas, ça va bouger rapidement. Tout va bien? Ouais, ça va. J'ai du mal à croire qu'il va mettre une heure pour... J'ai l'impression qu'il y aura un cut, hein. À moins qu'en 20 minutes, il doit passer les égouts plus la boule. J'ai un doute, hein. J'ai un doute, les gars. J'ai vraiment un doute. Après, moi, j'ai fait quelques fails. Ça veut dire que j'ai fait quelques fails au niveau du pont rétractable. Donc, ça veut dire que, normalement, d'après mes prédictions, il passera le pont rétractable en first try. Hein. C'est peut-être possible. Ah oui, il y a le passage aussi. C'était assez simple. Hein. C'était assez simple, là. Ah ouais, non. Il a foiré, ça arrive.
Il n'avait pas compris qu'il fallait être dans la zone rouge. Voilà, parfait. La zone rouge au fur et à mesure. Ah, là, là il va en avoir un aussi. Là, il va avoir un régénérateur. En fait, il nous lâche pas les régénérateurs. Hein, cette... Au moins qu'il va aller directement au front. Voilà, il sort de là. Je l'avais pas vu sortir de là, moi. D'accord, mais j'en apprends. Et ouais, mais il utilise pas. Il utilise pas la lunette. Il l'a en plus. Hein. Il l'a, hein. C'est... Ouais, il l'a, il l'a. Il a pas compris le truc. Oh, petite balle dans le fessier, là, ça serait passé. Le saut qui va bien. Et ouais, hein, il est en difficulté. Hein. Il fait des trous jusqu'à voir où sont les... Et ouais. Alors, est-ce que c'est des versions 2? Oui, voilà. C'est la première fois qu'on le voit se régénérer jusqu'à explosion. Donc là, est-ce qu'il va comprendre qu'il faut lui tirer dans la tête? Est-ce qu'il le comprend ou pas? Est-ce qu'il va le comprendre? Il tourne autour de la salle. Oui, il a compris. Il a compris, il l'a vu. Il l'a vu. Mais est-ce qu'il va le faire? Ah non, il va tenter la... Et il en faut plusieurs, hein. Quand c'est au pistolet, il en faut plusieurs. Non, là, il va exploser. Ok, ils ont pris des dégâts. Effectivement, ils savaient pas qu'il allait exploser. Il a envoyé toutes ses épines. Ok, passage de la deuxième porte. Et là, on va arriver dans la zone où il va falloir mettre l'électricité. D'accord, il fouille. Le levier est là. Et là, avec une jauge beaucoup plus petite, il va falloir procéder à la même opération. Là, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton dès que les deux flèches arrivent dans le rouge. Hein. Avec le lag, tu te retrouves pratiquement au milieu. Hein. Voilà, c'est cette zone. Cette zone-là, on a fait un fail. Hein. On a fait un fail au niveau du pont. Là, il va comprendre que c'est ici qu'il faut passer. Mais il faut l'électricité. J'ai pas vu tout à l'heure aussi l'énigme là. Il a dû la zapper l'énigme. D'accord, donc il va lui donner l'ordre. Il va falloir aller de l'autre côté pour allumer l'électricité. Donc Ashley remonte le pont rétractable. Ouais, ce passage était intéressant parce qu'il fallait vite retourner sauver Ashley. Hein. C'est la base. Parce que si elle n'est pas là pour t'ouvrir le pont, tu reviens pas. Donc, il ne faut pas se dépêcher à buter le mob. Hein. À buter le régénérador. Hein. Ou le régénérado, là. Ah, il a pas vu quelque chose. Il a pas vu qu'il y avait un passage sur la... C'est ici l'électricité? Qu'est-ce qu'on foutait à gauche là-bas? D'accord. Ah oui, non, c'est bien là. Eh, il prend le temps. Il prend le temps de récupérer la truc. Eh oui, va vite sauver Ashley. Ici, il y a le régénérado qui sort là. Juste sur la gauche, là, il y a le régénérado. Il le voit pas. Il l'a pas vu. Et voilà, il l'avait pas vu. Alors là, faut vite tracer, faut pas t'en occuper. Vite aller sauver Ashley. Ça, il a compris qu'il fallait sauver Ashley. Non, ne perds pas de temps avec lui. Non, non, Robert. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Robert. Tu perds du temps. Ça y est, c'est en train de l'embarquer. Est-ce qu'il va réussir à tirer à travers les barreaux? Moi, j'avais essayé de tirer à travers les barreaux. C'était pas passé. Hein. Et vite, rouvre le pont, Ashley, vite. Vite, voilà, il a compris. Non, il reste encore sur le... il reste encore sur le régénérado, il est fou. Il est fou. Le pire, c'est qu'il tombe dans le... Il tombe dans le pont. Moi, sur mon live, il était tombé. Hein. C'était juste quand j'ai été sauvé Ashley.
quand j'ai été sauvé Ashley, en fait, à partir du moment où tu avais buté tous les mobs normaux autour d'Ashley et que tu avais passé le pont, tu attendais que le régénérado se... arrivé sur place, et ben tu lâchais la manivelle pour qu'il tombe dans le trou. Ah, il a plus de couteau. Donc il a envoyé un coup de poing, très bien. Au niveau de la vie, il n'est pas encore catastrophique. Pas encore catastrophique. Est-ce qu'il voit le point faible par contre? Ah, il explose. Il va se régénérer, oui, tout à fait. Donc là, c'est la tête, ça va. Hein. Pour le moment, il a Ashley qui n'est pas en danger. Parfait. Et ouais, non, lui, il est resté sur place. Hein. Il a réussi à tirer entre les barreaux et au final, c'était la bonne solution. Mais là, faut partir, mon gars, là. Là, il va falloir commencer à partir, là. Voilà, il a compris, il va se couvrir. Voilà, parfait, il a compris. Et il a pas eu beaucoup de mobs, hein, qui sont venus l'emmerder Ashley. Hein. Du coup, pas du tout le même passage que moi, là aussi. Hein. C'est fou, hein, comme deux gameplay peut être totalement différent, hein, selon le joueur. Ah, il a vu la mallette. Il a vu la mallette avec quoi? Oh, je l'ai raté, moi, celle-là. Eh oui, j'ai couru comme un malade. Il y avait une couronne à sertir. Je l'avais raté, merci. Tu vois, celle-là. Et oui, elle lâche dès que t'arrives, donc après, il est coincé, le bordel. Est-ce qu'on va la voir, là, l'énigme? Il me semble qu'il avait zappé tout à l'heure, ou alors j'ai pas regardé. Ah oui, il a passé en 10 secondes. Il a passé en 10 secondes. Eh bien, ouverture des portes, mesdames et messieurs, et on va arriver dans la dernière zone de ce gameplay, qui va être... qui va être celle de la grue. Alors j'ai pas vérifié en quoi y jouer. Hein. Pas du tout vérifié en quoi y jouer. Tout ce que je sais, c'est que le long play dont est tirée cette vidéo dure 8 heures, à peu près 8 heures. Mais... de ce que j'ai compris là, il y a des cuts. Hein. Il y a des cuts. Je me souviens même plus avoir rattrapé Ashley à ce niveau-là. Je m'en souvenais même plus. Ok. La séquence de la grue. Alors moi, ça s'est plutôt bien passé, cette séquence, si je m'en souviens bien. Je me souviens qu'au moment où il y a eu le gars avec le lance-roquette, j'ai tiré sur les tonneaux. Après, c'est beaucoup de mobs de base. Eh oui, va falloir trouver une idée, messieurs. L'ascenseur est derrière. Ça va être 5 minutes intenses d'une horde. Après, c'est vrai qu'au niveau game, une boule de démolition. Je vais laisser la cutscene. Laisse-moi faire. Attends. T'es sérieuse? C'est ça qu'on vous apprend. C'est vrai que sur la structure du gameplay, j'ai envie de te dire, c'est couloir mob et zone horde. Voilà comment je résumerai ce Resident Evil 4. Même les énigmes. Les énigmes, pour moi... Elles ne sont plus d'aussi grande qualité que dans le premier opus. Hein. Mais je serais bien tenté de faire un jeu à énigmes d'ici quelques temps. J'ai envie de réfléchir un petit peu. Pourquoi pas? Un petit peu de réflexion de temps en temps, ça fait pas de mal. Ouais, il joue en facile. Deux balles dans la tête, il joue en mode Pampers aussi, il s'embête pas. Je pense qu'il s'embête pas. On verra, on va voir. Une balle. Bah ouais. Non, après, ça, c'est un avis personnel, mais le mode normal est très dur pour moi. On est vraiment en galère de munitions. Hein. Maintenant, c'est le but d'un survival horror. Hein, mais...
C'est vrai que ça reste quand même... assez complexe. Hein. Alors, il utilise quoi? Il a pas de spray. S'il a un spray, il a pas de couteau. Il se soigne et c'est parti. Ah oui, il y en a un qui embête Ashley. Il s'en occupe. Il est au sol, mais il a plus de couteau, donc il continue de tirer dessus. Il y a un mob qui est tombé au fond. Il va s'en occuper, certainement. Il prend pas soin de tirer dans la tête, quand même. Ouais, là, il va avoir beaucoup de... En fait, c'est beaucoup de mobs qui sont dirigés par l'insecte géant. Donc, ça multiplie la vitesse du mob, effectivement. Donc, il faut agir très, très vite dans cette situation-là. Ah oui. Le fameux Minotaur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de les approcher. Ah oui, bien joué. Il a bien joué le coup du tonneau. Super. Est-ce que ça le bute? Attention à la dynamite. Il avait pas encore allumé la dynamite. Il s'en sort bien. Ouais, deux balles. Deux balles pour le buter. Oui, oui, il est en mode facile. Clairement. Mais je vais vérifier. Hein. Il est en mode facile, c'est sûr. Après, c'est vrai que pour faire un long play, tu vas pas t'emmerder non plus. Hein. Tu veux faire au plus vite. Allez, encore un ou deux coups de boule de la part d'Ashley. Je pense qu'ils sont pas mal. Ouais, c'est bon. Il a fait un headshot fatal. Deux coups, il meurt. Ouais, c'est bon. Oui, oui. C'est validé. Mode Pampers validé, les gars. Voilà, c'est ici. J'avais tiré sur le tonneau. Voilà, il a fait la même chose parce que c'est vrai que là, c'est compliqué le lance-roquette. Et là, on arrive sur la dernière phase avec les insectes. Là, on voit encore 2-3 coups. Je ne sais pas ce qu'il attend. Ah, il est pris. Oh là là, il y a du monde. Ah, on emmerde Ashley aussi. Ah oui, il va les amener là. Parfait. Il préfère prendre le risque de se faire toucher. Il en a quand même buté 4 en même temps. 4 en même temps. Et voilà, c'était le dernier coup. Parfait. Ah oui, il y a des trucs à récupérer là. Je crois que t'as trouvé ta vocation. C'est le moment de fouiller la zone. Ah oui, d'accord, l'accès il était par ici, par la porte. C'est déverrouillable du coup, hein. Ça je l'avais pas fait. Certainement pour rejoindre un vendeur un peu plus loin. À chaque fois que je vois un ascenseur comme ça, je pense à l'ascenseur de Metal Gear Solid. Ça restera ancré à jamais, j'ai l'impression. Hein. Ça restera ancré à jamais. Pour toujours et à jamais. Le premier ascenseur oblique. Sans doute, ouais. Peut-être qu'un jour je deviendrai un agent comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait protéger notre pays contre n'importe quoi. Si tu le dis. Enfin, pour ça, il faut déjà qu'on sorte vivant d'ici. T'es pas drôle.
Donc là, va falloir passer par la fenêtre. Ah, je les avais pas vus, les caisses derrière cachées là. Il les récupère pas, je pense, non? Et là, il a des PC tasses derrière. Et là, on va arriver au grand trésor de ce jeu. Non, non, fallait passer par la fenêtre, si je me trompe pas. Il sait pas trop où il va, là. Ça se voit que c'est un long play découverte. Hein. Long play découverte. Voilà, il a capté que c'était la fenêtre, là. Fallait prendre. Ah oui, c'est vrai que quand tu connais le jeu, là, c'est beaucoup plus simple. Les rapports, il a fait comme moi, il ne les lit pas, et on arrive au grand secret. C'est sûrement ça dans le whisper. L'ambre. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une ambre supérieure. C'est ça en fait le grand. Ceci est notre corps. Allez, je vous laisse avec la cinématique. Notre divine providence est bien tout. Une profonde bénédiction pour tous. Las Plagas. Bienvenue, mes enfants. Je suis Osmund Sadler, le prophète de notre Dieu. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Ah ouais, ça m'a fait rire balle dans l'œil. Ouais, donc l'ambre suprême qui pourquoi était le vrai, le grand pitch de ce scénario, en fait, à récupérer. Allez, autant pour les méchants que pour eux. Ton corps. Obéis. Obéis à la voix du Seigneur. Seigneur, pardonne à ces pécheurs. Mon fidèle disciple t'infligera ta pénitence. Mon enfant, tu n'as rien à craindre. Soumets ton corps et libère-toi de cette peur. Eh oui, Ashley, ça y est, c'est encore fini, il va falloir aller la récupérer une fois de plus. Un grand merci à vous d'avoir regardé ce let's play, rendez-vous pour le dernier épisode, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la repayure dans la voiture et à jamais dans le tramway. Spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now.